Et yo tout le monde, c'est Kater, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Les gars, aujourd'hui, la dernière fois, on s'était arrêté ici. Donc là, on va terminer la coupe Toad et on va attaquer la coupe Peach, qui juste après, on récupérera la récompense du son. Et du coup, ça me fera mon premier planeur. Allez, c'est parti, on commence alors avec le circuit Yoshi en sens inverse. J'ai déjà fait le circuit Yoshi, je prends le bocal. J'ai déjà fait le circuit Yoshi, je sais pas si j'ai déjà fait en sens inverse. Non, j'ai pas fait en sens inverse. J'ai déjà fait le circuit Yoshi, mais je sais pas si je l'ai déjà fait en vidéo. Par contre, le son, il y a une petite sortie d'oreille. Je vais baisser mon écran. Même si vous entendez moins la vidéo, je suis désolé, mais genre, c'est trop mal. Enfin, c'est trop fort. Parce que mes écouteurs, ils sont puissants, vraiment puissants. Ça doit être cool quand même de la faire en sens inverse. C'est-à-dire que tu commences par là où il y a des tours et tout. Ok, c'est parti. Sur le circuit de chine. Oh, ça fait bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, mais je me demande si on peut faire une prise de vie avec seulement deux cadeaux. Je crois pas, peut-être qu'on fait une mini frénésie. Merde. Putain, les gars, je suis allé sur la complètement là. Ok, il est pas trop fort le bonheur là. C'est juste elle comme moi. J'adore les dérapages. Putain, la bonne, non! Oh, j'ai frôlé mes pieds là. Enfin, c'était chaud là, j'ai failli prendre la. Oh, il y a des turbos. Dans le sens normal, il n'y a pas de turbos ici. Oh, mec, ce brain. Oh, ce que j'ai mis là. Ok, on va terminer le tour. Plus qu'un tour, les gars. C'est parti. Oh, en plus, j'ai touché Bowser avec ma peau de banane. Non. Putain, non, en plus j'allais déraper là. J'ai fait un gros combo. On prend ça. On tourne. On prend ça ici. Putain, bâtard. Merde, je sais pas vu. Oh, si je pouvais réavoir un turbo, ce serait mais génial, comme ça je peux reprendre le passage frais. Alors là, s'il vous plaît, donnez-moi un champignon. Oh yes, les gars. En plus, mais les gars, j'ai vu qu'il y a une banane derrière lui, donc je vais pas pouvoir utiliser la carte rouge. Oh, utilise ta banane. Oh, les gars, je suis premier, putain, j'ai démonté. Mince. Oh, faut pas que je me fail. Ok, oh, les gars. Je suis super content. Bon, j'ai géré. Parce qu'en plus, vu que ce circuit est sur la. Sur Mario Kart 8, bah je connais le passage secret là qui passe sous la cascade. Et du coup, et bon, le premier. Donc là, je pense qu'on va avoir les 5 étoiles. Attendez. Alors. Ok, oh les gars, à un point près, enfin à deux points près, on n'avait pas les 5 étoiles. C'est chaud quand même. Ensuite, du coup, là, on a fini. Enfin, il y a un petit truc bonus. Ah bah les Goombas. Ah ouais, j'ai vu dans le trailer, genre, c'est des trucs où il y a des piles de Goombas et tout. Bon, attendez, je récupère ça. C'est quoi les tickets? Je sais pas ce que c'est ça. Quel c'est mon ticket d'objet fonctionne comme une boîte à objets supplémentaires utilisable à tout moment de la course. D'accord. Et le parapente, ce que j'avais pas encore. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là normalement je dois prendre Toad que j'ai toujours pas d'ailleurs alors que bah, c'est un personnage de base. Dégommer les Goombas, donc apparemment il faut éliminer 15 Goombas. Et j'ai pris une carapace. Bonjour. Hop. Ça fait bien. Ça va être chaud en vrai. Hein. J'espère qu'il y a des. Oh putain, il y avait des bonbons, je suis con. Oh. Les gars, on va faire un carnage, on va faire un massacre.
Allez, on va défoncer la pile. Ok les gars, il y a une autre pile ici. On arrive à prendre. Putain, j'ai pas réussi à prendre deux cadeaux. Ok, donc là. Bon, on a fait. Ok. Donc je pense qu'on n'aura qu'une étoile. Ah, attendez, si je prends le turbo, ça les bute. Oh. Ah oui. Oh les gars, oh c'est une taille. Je sais pas si j'aurai les 5 étoiles. Ah mais je savais pas que si je prenais le turbo ça allait buter, j'en ai pas. J'en prends QS plus si je sais. Ah ouais, oh génial. Parfait les gars là. 3 étoiles. 3 étoiles, pardon, parce que j'ai l'entraînement. Et du coup là, on arrive sur la coupe. En plus j'ai tous les circuits 5 étoiles. Oh ça c'est génial les gars. Coupe pitch, circuit Mario 1, sens inverse. Ok, donc encore un sens inverse. Je pense qu'on aura quand même après un nouveau circuit. Je vais prendre Mario de métal. Ah, ils auraient pu le mettre meilleur, Mario de métal. Le carte de base qui est le et le parapente. C'est parti. Bon, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais en fait, je sais pas du tout si on joue contre des bots ou des joueurs en temps réel. Parce que je gagne quasiment tout le temps avec eux, les joueurs sont nuls. Alors soit il y en a qui pensent que genre c'est parce que genre c'est beaucoup de gamins qui jouent et tout que c'est pas fort. Et moi j'ai plutôt l'impression que c'est des bots. Dites-moi dans les commentaires les gars si vous savez si c'est des bots. Là j'aime pas trop ce circuit mais j'adore la musique de circuit là, la musique de base. Je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est parti. Merde, j'ai déjà un peu du mauvais côté. J'ai pas beaucoup parlé pour ce... Putain! J'ai pas beaucoup parlé pour ce niveau parce que c'est sa musique. Là j'ai un turbo, mais je sais pas s'il y a des passages à utiliser. On le vole. Oh, ça c'était beau ça. Ça c'était beau, mais j'aurais pu utiliser ici pour faire un. Pourquoi pas encore plus le... Par contre là pour être premier ça va être chaud. Oh, après le problème c'est qu'il est petit et qu'il y a un peu de tour. Hein. Oh les gars. Ok, je suis redeuxième. Oh, mon deuxième. Oh non les gars. Putain j'étais presque, c'est pas grave. On est deuxième, c'est déjà pas mal. On est bien circuit mais vraiment. On est deuxième. Donc je pense pas que j'ai 5 étoiles, peut-être 4. Je sais pas. Peut-être que 3. On va voir ça tout de suite là. Aussi je voulais vous dire actuellement j'économise les rubis là pour essayer de faire une multi-invocation vidéo. Enfin une multi-invocation avec j'ai 4 étoiles. Avec 10 trucs. Donc ça pourrait être vraiment cool de faire une vidéo. Donc j'économise les rubis comme ça. Et c'est. What? Mais les gars, mais franchement, ça serait bête trop. On vient de faire circuler Yoshi. Bon, d'accord, c'est un sens inverse, mais on va le faire. Mais j'espère que ça sera pas un lieu pour vous là. Qui aime ça, vous êtes nuls là. Voilà, on va prendre ça parce qu'il y a plus de points. Et en plus, j'ai rien qui est bien. Ouais, c'est un peu ennuyeux pour vous qui regardez. Donc, on va refaire le même circuit, même si c'est dans l'autre sens. Enfin, déjà, qu'il y a un peu. Genre, en plus, ça aurait pu mettre. Peut-être plus de circuits parce que genre il y a plein de circuits qu'ils ont pas mis. Mais je pense qu'ils vont rajouter tout à chaque saison, ça change. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais il y a juste des concurrents, il y a un mec qui s'appelle Gucci. Et quand je vois ça, en fait, je me dis que c'est peut-être pas finalement des bots. Un bot qui s'appellerait Gucci, c'est un peu chaud quand même. Allez, c'est parti. Excusez-moi pour les bruits de vent pour le micro, je suis vraiment pas exprès. Et normalement, cette vidéo sera de meilleure qualité que la dernière. J'ai fait en sorte que ça s'améliore dans les paramètres comme du coup. Et normalement, je devrais bientôt réussir à mettre des miniatures. J'ai un logiciel pour. Mais encore que je regarde comment on fait. Mais normalement, je vais bientôt réussir à mettre des miniatures sur les vidéos. Parce que c'est vrai que c'est pas très beau quoi. Putain, bon. Vous voyez juste une partie de la vidéo. Alors que là, bah. On pourrait voir une. Oh putain, c'est de me bouffer celle-là. Vous pourrez voir une vraie miniature et ce sera plus agréable à regarder. C'est cool. Non, pour l'instant, je suis pas au début de ma chaîne. C'est bien, complètement, ne vous inquiétez pas.
ça va pas être tout le temps comme ça. Les gars, attends, là je vais pouvoir faire un méga cut. Je suis une puce. Oh, je pensais que j'étais 4ème à la deuxième. Par contre, là, attendre la première place, même attendre la deuxième place, ça va être dur. Non, c'est là que je me fail. C'est là que je me putain de fail. Putain! Mais mec, tu mets. Par contre, toi, je sais pas quelle carte t'es là, mais. J'ai quand même une carapace, il est de retour. Enfin, j'ai pas vu si c'est une carapace, j'ai pas eu le temps de voir ce que ça fait. En tout cas, j'ai quand même fait un choc, quoi. Enfin, j'ai envie de trouver la nuit. Après, le seul truc qui est dommage dans ce jeu aussi, c'est qu'il n'y a pas les chutes. Genre, je sais pas si vous avez remarqué en me regardant jouer, mais quand tu vas tomber, quand tu t'apprêtes à tomber, merde, putain, je me suis fait casser tout. Ah, mais attendez, peut-être que ça va dédoubler finalement. Moi, je disais, il n'y avait pas les dégâts, enfin, il n'y avait pas les chutes. Genre, il y avait comme un mur invisible. Même pour l'herbe. Après, je pense que c'est normal parce que. Casse-toi! Ok, c'est bon, je peux passer. C'est normal parce que c'est plus dur les commandes, mais je pense que. Une fois que les gens ils auront bien pris le temps d'appréhender les commandes du jeu. Ok, vas-y. Oh, 10 rubis! Oh, comme ça, je me fais trop juste mon outil invocation. Et donc là. Ouais. Non, j'espère qu'il y a un nouveau circuit, sinon c'est vraiment dommage. Quoi? Attendez, quoi? J'ai terminé premier, j'ai même pas 4, j'ai même pas les 5 étoiles. C'est quand même dingue, ça. Mon avis, les circuits sont ajoutés tous les jours, c'est une excellente manière d'obtenir quelques grandes étoiles supplémentaires. Le prochain à première place. What? Impact de bourreau. D'accord, Piaty Challenge. Et là, c'est la vallée des IA. Ah, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai déjà fait la vallée des IA. J'ai déjà 12 minutes de temps, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à laisser des commentaires. Dire ce que vous en pensez de mon style ou de ce que j'ai pris dans les commentaires. Et moi, je vous dis ciao!